Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver pour un nouvel essai de scooter, voire de maxi scooter, sur le repère des motards avec ce nouveau Piaggio MP3. Vous me direz, rien de nouveau jusque-là, 530. Et là, vous allez vous dire, ah oui, c'est peut-être un petit peu différent. Le MP3, on ne le présente plus depuis 2006. C'est Piaggio qui a lancé ce fameux système de roues à l'avant plus large qui, répondant à la législation, permet juste avec un permis B, donc un permis voiture, de conduire une grosse cylindrée. En l'occurrence, aujourd'hui, un 530 cm3. Et c'est la grosse nouveauté dans ce sens, en plus de l'électronique et en plus d'un nouveau design de ce modèle 2022. Car oui, on est en 2022. Ça fait donc plus de 15 ans que Piaggio a lancé les MP3 que l'on a vu dans toutes les cylindrées, y compris en hybride. Et oui, il y a eu un hybride électrique il y a une dizaine d'années de cela. Donc on est passé par les 125, puis les 300, les 350, il y a même eu des 250, des 400, des 300, des 500. Et c'était un peu le haut de gamme avec les 500 jusqu'à présent. On avait testé le dernier moteur 500 HPE MP3. Et vous connaissiez mon avis à l'époque, le 500 c'est trop lourd, c'est trop cher, oubliez-le. Passez plutôt sur un Urban en 300, voire le dernier 400 HPE. Au moins vous n'allez pas faire exploser ni votre porte-bonnet, ni tout simplement le poids, car l'une des contraintes de ces MP3, de ces trois roues de façon générale, ben c'est un train avant très très lourd, et plus on gagne en poids, plus c'est lourd, plus c'est chiant, notamment pour de l'urbain, car mine de rien, les trois roues, c'est principalement pour une utilisation urbaine, et on va voir aujourd'hui en quoi ce 530 diffère. Et bien voilà, Piaggio a tout refait sur son modèle de MP3 530. Plus grosse cylindrée, on le retient, c'est exactement le plus gros monocylindre 530. Pourquoi c'est drôle de parler de ça? Et bien tout simplement parce que Kymco a sorti son CV3, dont vous pouvez également retrouver l'essai sur le repère, sur base du moteur de son AK550, le maxi scooter de la marque, mais désormais avec un 550 cm3, c'est-à-dire une plus grosse cylindrée que ce MP3, mais en bicylindre. Et c'est d'ailleurs, avec le CV3, le seul bicylindre du marché. Donc on arrive vraiment à deux plateformes aujourd'hui vraiment très très proches, et c'est également en ça que le MP3 se différencie eh bien, du reste de la production, car les trois roues vous les connaissez depuis Quadro, il y a eu également le Cooder, mais simplement actuellement on a surtout une grosse concurrence entre le Metropolis 400, voire le Tricity 300 chez Yamaha et le fameux MP3. Mais pour cette version du MP3 530, Piaggio a tout refait. On retrouve le look du MP3, mais ce que l'on note surtout, c'est une ligne beaucoup plus sportive. On a des lignes de fuite, des tendances à l'avant qui sont beaucoup plus dynamiques. On a désormais un éclairage full LED avec une très jolie signature ici DRL. Et on a des clignotants qui désormais sont complètement intégrés au carénage. On a également une bulle d'origine beaucoup plus haute, plus large. Et c'est également tout ce gabarit plus large qui va apporter bien plus de protection. Il y a une vraie protection supplémentaire de cette version 530 par rapport au précédent 500. On a également une toute nouvelle selle avec vraiment deux étages bien superposés, et ça ne se voit pas beaucoup, mais ce sont de nouvelles poignées également à l'arrière, avec une hauteur de selle qui, comparativement par rapport à l'ancien, semble un petit peu plus basse, tout simplement parce que c'est un petit peu plus fin ici. Ce qui fait que quand on est un motard d'1m70, avec cette selle à 790 mm, on a presque les deux pieds à plat. Quand je dis presque, c'est le bout des pieds, mais au moins on le touche. Alors on le sait, l'une des caractéristiques du MP3, c'est justement de pouvoir être stabilisé sans avoir de béquille ni quoi que ce soit, grâce au fameux blocage du train avant, le fameux roll lock, qui se déclenche ici au cobodo droit. Piaggio a également travaillé sur une nouvelle position de conduite. On le voit ici, le guidon est sensiblement différent. Les poignées même s'inclinent légèrement vers le bas. Le marchepied a été sensiblement rabaissé, ce qui fait que ça donne une position de conduite un petit peu encore plus naturelle qu'avant. Mais franchement, en ressenti direct, on a juste l'impression qu'il y a un peu plus de place. Donc les plus grands qui ont des grandes guiboles, et notamment sur certains scooters où on se retrouve facilement les genoux tapant contre le tablier, ici ils seront beaucoup plus à l'aise, d'autant plus qu'il y a de la place à l'arrière, mais pas trop. Justement, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Pour le reste, eh bien, on a vraiment un tout nouveau cockpit. La seule chose que l'on va retrouver, c'est ce petit vide-poche à l'avant avec une prise USB permettant de recharger le téléphone avec son application mobile. Pourquoi c'est important? Parce que
Comme d'habitude chez Piaggio, qui avait été assez novateur avec son application mobile Mia, on peut connecter le Piaggio MP3 avec l'application mobile pour retrouver un certain nombre d'informations en fait directement sur une nouvelle dalle TFT de 7 pouces. C'est l'une des plus grandes dalles TFT que l'on trouve sur les scooters, en sachant que le maximum est la fameuse dalle chez BMW de 10 pouces que l'on retrouve sur le scooter CE04. Électrique quant à lui, mais en attendant pour les scooters thermiques et en l'occurrence pour les scooters 3 roues, c'est la plus grande dalle qui est particulièrement lisible, y compris sous le soleil. On note notamment qu'il y a un fameux ride-by-wire, c'est-à-dire différents modes de conduite. On a 3 modes de conduite désormais avec l'éco, le confort et le sport qui en fait vont intervenir également sur la manière dont l'écran va délivrer vos informations. D'autant plus que, eh bien, on a désormais un joystick au commodo gauche, un joystick qui va vous permettre d'aller soit dans les menus, soit tout simplement de faire défiler un certain nombre d'informations et notamment quelles sont les dernières personnes qui vous ont appelé, puis surtout la navigation désormais. Entre guillemets, c'est à la mode, comme dans l'auto. Là, on retrouve plein d'informations qui sont presque liées à l'auto et on en viendra même à l'élément majeur juste après. On a donc du keyless, on a un transpondeur qui permet via un simple bouton rotatif d'enclencher le MP3 et puis les dernières informations, bien, on retrouve naturellement un ABS mais également un contrôle de traction très cher à Piaggio, puisqu'on l'avait vu hein, même sur les X10 d'il y a plus de 15 ans, on trouvait déjà ces contrôles de traction sur les 125, qui peut être pour la SR déconnectable ici. Et puis on a enfin les deux trappes qui permettent d'ouvrir soit la selle, soit la trappe à essence, avec une notion importante avec ce transpondeur, ce fameux transpondeur, c'est qu'il y a un top case qui se commande également au transpondeur pour l'ouvrir. Et ça, c'est franchement pratique parce qu'il y a un certain nombre de scooters sur le marché qui peuvent avoir le transpondeur pour allumer le scooter, mais où le top case, lui, s'ouvre toujours de façon traditionnelle avec une clé. Ici, tout passe par le transpondeur. On trouve enfin un nouveau frein parking. Naturellement, la fameuse pédale à droite, toujours obligatoire pour les trois roues, qui est plutôt efficace en termes de freinage et qui surtout qui ne gêne pas le pied. En fait, on a plus de place que dans le passé. Encore une fois, quel que soit son gabarit, ça va davantage s'adapter. On ne va pas avoir le pied coincé. C'est un vrai bon point en termes d'ergonomie. J'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin, enfin en tout cas presque. Ils ont inventé un radar de recul. Alors tout le monde connaît le radar de recul, mais sur un scooter, eh ben là, ils ont fait pareil. Il y a une caméra ici à l'arrière qui vous permet en fait, à partir du moment où vous enclenchez la marche arrière, et oui, sur le MP3, il y a une marche arrière ici qui va se commander en fait via le petit bouton là pour partir en marche arrière. En toute objectivité, c'est un peu violent. Mais en attendant, vous avez du coup sur l'ensemble de votre écran, mais tout le compteur, tout le tableau de bord de 7 pouces, eh bien une vue en temps réel de ce qui se passe derrière, avec comme sur les voitures, 3 indicateurs avec 3 niveaux pour vous dire si vous vous rapprochez. Mais pourquoi faire ? Plus de techno à l'heure où on manque de composants. C'est le gadget, mais il faut reconnaître que Piaggio a mis là-dessus tout ce qui fait qu'un utilisateur de voiture aujourd'hui, habitué à tous ces gadgets, veut retrouver sur un scooter. Et on s'adresse bien non pas à des motards, mais plus à des utilisateurs de voitures et de permis B qui veulent être sur leur scooter comme en voiture. Le tableau n'est pas encore complet, il faut vous parler aussi de tout le système d'angle mort qui a été rajouté ici. On le voit, hein, il y a des lidars qui ont été rajoutés à droite et à gauche qui permettent en fait de détecter dans une zone qui peut aller jusqu'à 30 mètres derrière si vous avez des véhicules dans votre angle mort, aussi bien à gauche qu'à droite, et à vous prévenir sur votre écran directement par des grosses flèches oranges qu'un véhicule se trouve tout près de vous et que du coup eh bien, le changement de fil ben, ça peut être un petit peu dangereux et c'est vraiment une assistance au changement de fil. C'est pas vraiment nouveau, on l'avait vu sur les C650 chez BMW il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui ça arrive de façon un petit peu plus large et c'est encore une fois l'entrée de plus d'électronique et de plus de services et d'assistance au niveau des scooters. Côté pratique, sous la selle on trouve un coffre relativement grand, je dis relativement grand parce qu'on va mettre un modulable en dessous ou un intégral et un tout petit jet, mais on ne mettra pas deux casques intégraux. C'est sans doute l'un des points faibles de ce scooter quand on sait que certains 125 et notamment chez Yamaha ou chez Honda permettent vraiment de loger deux vrais intégraux sous la selle. Par contre, eh ben, y a une petite loupiote quand même, une petite lumière qui va vous permettre d'éclairer votre coffre. Bon, assez parlé, casque, blouson, gants, c'est parti pour l'embarquer. Eh bien, nous voilà à bord de ce
MP3 530, exclusive s'il vous plaît. On le voit bien, il n'y a qu'une version du 530, c'est pas comme d'autres modèles avec Sport, Touring, GT ou autre. Le MP3 s'ébroue gentiment, fait pas beaucoup de bruit. Hein. Il a même gagné 2 décibels de moins par rapport à l'ancien modèle. On a une bonne rétrovision avec les rétroviseurs et il démarre automatiquement avec une bonne patate, même en mode confort ou en mode éco, où on est tout de suite à plus de 50 km/h, donc il faut faire attention. Et on peut toujours sur les derniers kilomètre heure déclencher l'équilibrage, le roll lock bloqué, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre pied à terre. Pour autant, le petit bouton qui est à droite pour le fameux roll lock est un petit peu plus à gauche, et par rapport à avant on pouvait l'enclencher très facilement, là il faut presque déplacer la main, donc c'est un petit peu moins pratique, mais c'est aussi une sécurité parce que Dieu seul sait, si on fait pas gaffe les premières fois, on peut vraiment s'en mettre une assez facilement avec ce type de système. Il suffit de tourner la poignée pour que le roll lock se débloque instantanément. Et l'une des choses qui marque vraiment sur ce 530 par rapport au précédent 500, c'est sa maniabilité en fait. Piaggio a travaillé sur le poids du scooter. Bon, ça reste toujours quelque chose de très lourd avec 280 kg, mais il fait 7 kg de moins que le 500. Donc ça, c'est un premier point. Et surtout, ils ont travaillé sur le train avant afin d'en enlever 1 kg. Et avec une réorganisation à la fois du guidon, etc., qui font que c'est beaucoup plus maniable que ça n'a pu l'être dans le passé. Franchement, les premiers mètres, même à très basse vitesse, sont bien plus faciles. Alors l'une des caractéristiques, c'est un écran hyper clair, franchement, qui fasse clair, sombre, en plein soleil, il est très lisible. Dès qu'on est dans la nuit, il s'inverse en termes de couleur, donc on n'est plus sur fond clair, mais sur un fond noir. On a vraiment toutes les informations avec la vitesse qui est très très grosse, et puis après, les directions et la navigation, alors pas avec une carte GPS comme on peut l'avoir ailleurs. Contrairement à d'autres scooters qui montent à 7000 ou 8000 tours mais qui n'avancent pas quand on tourne la poignée droite, le MP3 c'est presque l'inverse en fait. Il monte que jusqu'à 5000 tours, mais quand on tourne la poignée on sent que ça avance. Donc il n'y a pas de delta et ça avance bien. Côté freinage, si on utilise la pédale, c'est vraiment l'un des freinages les plus puissants qu'il y a. Alors que sur d'autres scooters, c'est loin d'être le cas. Et après, on a un équilibre entre le frein avant et le frein arrière qui sont vraiment très bien. Avec une bonne progressivité, de la puissance, mais pas trop. Et pour autant, on n'a pas besoin de prendre le freinage à pleine main. Donc ça, c'est vraiment très pratique. On peut freiner à deux doigts, soit à l'avant, soit à l'arrière. Et c'est efficace. Mais c'est puissant, mais sans faire peur. Donc c'est le bon mix et les grandes lignes. Il y a une stabilité avec ce train avant qui est vraiment important. C'était l'une des caractéristiques déjà du 500 cm3. C'est toujours vrai avec le 530. C'est l'un des meilleurs trains avant du marché. À une période, c'était le seul. Aujourd'hui, la concurrence a fait des progrès, que ce soit au niveau du Tricity 300, qui lui est remarquable, ou ce nouveau 530 par rapport au 500. C'est vrai que la marche arrière, typiquement là, je suis un petit peu en dévers, impossible en duo de faire marche arrière, donc il suffit de mettre le bouton marche arrière, on voit l'écran qui se dégage ici, et après il faut appuyer sur le démarreur. Par contre, ça donne des petits coups vers l'arrière qui peuvent vraiment déstabiliser. La première fois, il faut pas s'en mettre une. Je reprochais vraiment au 500 avant d'être plutôt lourd de l'avant, de ne rien apporter de plus par rapport au 400, hormis un petit peu de vitesse de pointe, mais d'apporter tellement de poids sur l'avant avec une direction lourde, un scooter qui ne s'inclinait pas ou qui résistait mal. Ici, au contraire, avec le 530, on voit qu'il y a eu un vrai travail sur ce train avant. En fait, on est au même niveau désormais que le 400.
Et cette maniabilité va se retrouver aussi pour faire des petits demi-tours où en fait désormais, alors qu'on a un 530 assez lourd, on va pouvoir vraiment faire un demi-tour dans un mouchoir de poche pour repartir aussitôt sans vraiment beaucoup d'efforts. Une route un peu défoncée, il reste en ligne et il se pose bien sur l'angle, ce qui peut rassurer notamment l'automobiliste qui, dès qu'il est un peu sur l'angle sur un deux-roues, autrement se dit je peux perdre l'avant. Là on sent que l'avant est rivé au sol sans arriver encore à cette impression du Tri-City qui a vraiment plus un comportement de moto, idem pour le Nikon. Alors ce 530 est dynamique, c'est pas non plus un foudre de guerre, hein. On parle ici de 44 chevaux, même si on arrive rapidement à 100 km/h, mais 44 chevaux et c'est légèrement en retrait par rapport à un Kymco CV3, le 3 roues qui fait 50 chevaux. Par contre, où les deux modèles ont quasiment le même couple, donc les impressions initiales sont identiques, avec sans doute un petit peu plus pour le Kymco CV3 en termes de puissance absolue, mais le moteur du MP3 est vraiment agréable. Il est smooth, comme diraient les Anglais. Il est doux, il est progressif et à la fois il donne vraiment cette impression de réactivité immédiate à la poignée droite. Et ça, c'est très agréable par rapport à tous les scooters, franchement, qui n'avancent pas. On entend le moteur qui hurle et on ne sent quasiment pas le mono. Alors, je dis, on ne sent pas le mono, sauf à l'arrêt, parce que on sent bien le petit mono bien vibrer. Au début, on avait même l'impression d'un très très gros vibromasseur quand on l'a à l'arrêt qui démarre. Et puis cette impression de gros mono disparaît en fait dès qu'on roule. Et là, je vois bien la flèche à gauche m'indiquant que j'avais une voiture dans mon angle mort. Alors on est habitué à faire le check latéral, mais sans ce check, ça peut être un accident. Donc c'est vraiment une assistance supplémentaire. Là on le voit bien à l'écran, c'est visible, mais c'est pas intrusif. Donc c'est un vrai plus. Et il se déclenche pas de trop, ça veut dire que quand on est dans la circulation à plein temps, et voilà, la moto vient de me dépasser. Et mon écran s'était allumé à droite. Autant la caméra n'était pas obligatoire, autant ça c'est un vrai plus en termes d'assistance. Alors on est sur autoroute et on a désormais un régulateur de vitesse, notamment pour être à 130 km/h, sans forcer, hein, puisque on est dans ce cas-là entre aux environs des 6000 tours minute, loin de la puissance maximum à 7250 tours minute du MP3. Il n'y a pas de grosse différence en toute objectivité dans les modes. Le mode sport donne une courbe de puissance qui est un petit peu plus rapide, de couple également, un peu plus de nervosité. Mais pour faire du périurbain, etc., de toute manière, un MP3 avec ses 280 kg et son train avant ne sera jamais aussi réactif qu'un T-Max. Mais c'est un bon compromis, je dirais, entre confort, stabilité, agrément de conduite, maniabilité, facilité de prise en main. Voilà, il n'y a pas de mystère si le MP3 représente entre 60 et 80% des ventes de 3 roues dans le monde au sens large. Côté consommation, ça donne quoi? Eh bien, on a un réservoir qui fait 13,7 litres, mais Piaggio annonce une consommation en baisse, même à pleine vitesse, de 10% par rapport à l'ancien modèle. Donc ça veut dire que le 530 consomme moins que le 500. Piaggio annonce une consommation de 4 litres au 100, ce qui donnerait une autonomie maximum de 350 km. Et effectivement, notre compteur nous annonce 342 km d'autonomie au global, au niveau de l'informatique. Alors, MP3, passager, bon... C'est le grand luxe, quel que soit le MP3 Piaggio que vous achetez. De toute façon, ils sont tous à peu près configurés de la même façon. À chaque fois, ce qui fait la marque de fabrique des MP3, c'est la largeur de la selle. C'est ultra large, long. Donc, en gros, c'est fait vraiment pour tous les gabarits. Vous avez de la place pour le pilote, pour le passager, plus qu'il n'en faut. Les poignées sont très bien. Je les trouve toujours un tout petit peu trop basses. C'était déjà le cas sur le précédent modèle. Donc ça n'a pas changé malgré le fait qu'ils aient revu le design.
Les repose-pieds sont bien placés, juste un petit peu, je reprocherai ce rebord qui frotte un peu contre les jambes du passager. C'est pas ultra agréable, mais là je vais dire que je pinaille parce que du coup c'est très large, on peut pas serrer la, comme une moto entre guillemets ou comme un scooter plus fin. Donc petit bémol, mais de toute façon vous tenez par les moteurs sont pas explosifs et vous vous tenez par les poignées et tout va bien. Maintenant, ce qui fait la différence entre le CV3 et le MP3 530 côté passager, c'est, on va dire, les suspensions. Sur le CV3, j'ai le souvenir d'avoir eu quelques retours de bâtons de suspension qui ne préviennent pas et qui sont désagréables dans le dos. Avec le MP3, c'est tout le temps moelleux. Ça prend les pavés, la route, le bitume, vous sentez rien du tout, vous êtes sur un billard. Donc ça, c'est ultra agréable. Et le CV3 a d'origine un petit dosseret pour le pilote et pour le passager. Et c'est vrai que bah, quand on y a goûté, c'est pas mal d'avoir le petit dosseret pour le passager aussi d'origine. Au final, une note 18 sur 20, parce que franchement, c'est du très bon confort à l'arrière. En conclusion, Piaggio a réussi son pari, c'est-à-dire proposer un nouveau scooter plus haut de gamme à tous les niveaux. On parle bien de la finition, on parle bien du nouveau look, on parle bien de la protection supplémentaire, on parle de toutes les assistances, notamment entre la caméra et le radar de recul. On parle de cette marche arrière, on parle de ce coffre de 52 litres qui va permettre, lui, de mettre deux casques en plus et donc d'avoir une vraie contenance globale. D'autant plus que le transpondeur permet de commander aussi bien l'ouverture et le démarrage du MP3 que du Top Case. On a un vrai confort avec une selle moelleuse, avec un bon débattement des suspensions qui permettent de gommer. Bref, on est dans l'ultra luxe de ce qui se fait en termes de scooters 3 roues aujourd'hui sur le marché. On se plaignait il y a quelques temps lors de notre comparo Tricity Metropolis du prix hallucinant du Metropolis 400. Ben, c'est aujourd'hui à mon tour de vous dire qu'on est à un prix hallucinant pour un scooter 3 roues. On est à 12 999 euros officiellement. Bref, 13 000 euros pour ce qui reste un scooter 3 roues qui est avant tout un engin pratique. Maintenant, c'est vrai que ces 3 roues apportent un supplément de stabilité à l'avant. C'est vrai que ce modèle 530 est quasi aussi maniable et aussi facile que le 400. Et ça, c'était le principal défaut que je donnais à l'ancien 500 qui était vraiment lourd. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de partir sur le 400. Aujourd'hui, je continue à maintenir mon idée, c'est qu'un 400, c'est moins cher, c'est plus maniable. C'est vraiment surtout moins cher avec une capacité d'emport et une utilité au quotidien qui est quasi identique. Car qui a besoin d'aller à 145 km/h sur autoroute avec une vitesse de pointe à 130, voire 135? On a tout ce qu'il faut, notamment depuis le 400 HPE dont le moteur a été nettement amélioré. Maintenant, voilà, pour quelqu'un qui veut se dire j'ai un 530, j'ai le plus gros scooter du marché, je veux retrouver sur mon scooter ce que je retrouve sur mon auto. Je veux cette marche arrière parce qu'effectivement c'est lourd à 280 kg quand on est un peu mal garé pour repartir en arrière. Ben oui, le MP3 530 répondra à leurs attentes et ça tombe bien, ben il y a des offres de financement pour que ça coûte un peu moins cher par mois également. D'autant plus que Piaggio a mis en place tout un système, tout compris, permettant d'inclure les révisions et notamment les révisions tous les 24 mois ou les 10 000 km, les 36 mois ou les 3 ans, voire jusqu'à 4 ans, parce que Piaggio a mis en place des systèmes de garantie jusqu'à 4 ans si on achète l'ensemble dès le début avec son scooter. Et maintenant, ce qui va différencier principalement, hormis le moteur monocylindre versus bicylindre entre un Kymco CV3 et un MP3 530 qui se retrouve au même prix, vous allez avoir un petit peu moins d'électronique, pas de radar de recul, pas de caméra de recul avec un CV3. Par contre, vous aurez un moteur un tout petit peu plus gros, un tout petit peu plus puissant qui vous permettra également d'avoir une vitesse de pointe pouvant aller jusqu'à 160 km/h sur autoroute. Mais de toute manière, les 160 km/h sur autoroute sont interdits. Donc voilà, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Bon ben voilà, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui et si vous avez aimé cet essai, ben n'oubliez pas, cliquez en bas à droite pour vous abonner pour d'autres essais, d'autres comparos de scooters, mais aussi de motos, de modèles 2022, mais aussi 2023. Et oui, on commence à vous dévoiler les modèles 2023. Et d'ici le prochain essai, à ciao, salut !